Ça s'annonce mal. Qu'est-il arrivé ? Fuyez ! Encore des bandits ! Des bandits ! Non, pauvre sot. Nous sommes votre armée. Nous revenons de Troie. Gloire à Zeus ! Les soldats sont de retour. Oui. Alors, que s'est-il passé ? Après votre départ pour Troie, des bandits ont attaqué la ville. Ils ont pris les hommes en otage et Chiron. Qui est Chiron ? Il fait les offrandes aux dieux. Il a dit qu'un héros viendrait nous sauver. Cela n'apaise pas mon esprit. Nous devrions aller le chercher pour essayer d'en savoir plus. Bonjour tout le monde et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Ok. D'accord, donc on va aller devoir ici. Et moi j'adore personnellement la cinématique, le vieil homme. Il a l'air complètement pathétique, complètement sénile, complètement crabataire. J'aime bien, c'est marrant. Alors, ils se sont bien fait démonter, hein, quand même. Donc, on va tout simplement tracer la route. Hein. Qu'est-ce que ces créatures ? Eh ben, ce sont des serpents. Et qui se font démonter en deux coups. Donc, des serpents de merde. De toute façon, on va en apprendre davantage par la suite sur ces créatures. Alors récemment, pour raconter un petit peu ma vie, quoique je crois qu'il y aura une cinématique, donc je vais pas pouvoir raconter grand chose. J'attends de voir. On attend au cas où, parce que là je sens la cinématique venir. Ouais. Où est ce sage qu'on appelle Chiron ? Chiron est retenu dans le fort des bandits sur l'Acropole. Il vous faudra reprendre la cité avant de pouvoir le secourir. D'accord. Donc, triompher des brigands gardant la prison pour libérer les détenus. Voilà. Donc, du coup, pour raconter un peu ma vie, en fait, récemment, j'ai fini Mass Effect 3. Alors, je l'ai pris comme ça, j'ai passé la FNAC, et il se trouve que le jeu était pour 10€, ce qui est vraiment, mais alors vraiment pas cher du tout. Ah bon, il s'est fait tuer, tant pis pour lui. Et donc pour 10€, c'est vraiment pas cher, d'autant plus qu'il y avait un pote dans mon entourage qui en parlait, qui parlait de que de ça, il disait que c'était absolument magnifique, qu'il fallait que je le fasse. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, pourquoi pas. Donc je l'ai fini ce matin. Alors, c'est un peu comme The Witcher, c'est-à-dire qu'il y a une succession de choix. D'événements et elle va attaquer celui-là là. Et du coup ben il y a certaines choses que vous voyez que d'autres pas, etc, etc. Ah, et à mon avis il doit rester encore quelques-uns. Et donc du coup moi j'ai choisi la version où on asservit les gros méchants. Je dis gros méchants tout simplement pour ne pas vous dévoiler le tout. Où ça à l'aide. Les bandits ont presque tout détruit. Ce n'est pas tout. Dépêchons-nous pour les empêcher de détruire des bâtiments qui pourraient servir contre eux. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord, faut aller détruire ça. Donc pour en venir à cette histoire, ouais, donc j'ai choisi d'asservir les méchants. Et donc j'ai pas encore fait les autres choix. C'est un jeu qui demande beaucoup de temps parce que en gros j'ai joué, alors j'ai pris mon temps, j'ai tâché de faire un maximum de quêtes. Je les ai pas toutes faites mais j'ai fait le gros. J'ai joué au total une heure. Un jour entier. C'est-à-dire que grâce au overlay comme Steam, l'équivalent de Steam qui s'appelle Raptre, un nom complètement imprononçable. J'ai pu voir que j'ai joué environ une journée entière, donc à peu près 24 heures. En n'ayant pas tout fait non plus, n'ayant pas tout amélioré, n'ayant pas tout acheté, etc. Donc vous voyez que ça demande du temps en fait. C'est un jeu qui demande du temps. Et j'étais assez impressionné. Alors je me suis dit, ça va partir de nouveau dans le stéréotype, le gars qui va sauver le monde. Alors... ça s'est balancé en fait. Des fois vous avez des séquences qui sont complètement stéréotypées et des fois vous vous retrouvez avec des situations où là vraiment il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire c'est pas le truc
classique où le gars fait oh, non mais moi je suis le bien, moi je vais me battre contre les méchants qui sont le mal absolu. Justement ça, il y a certaines fois où on ressent un peu ça et des fois où c'est pas le cas et justement c'est bien, ça fait du bien, ça rafraîchit. Là on va les laisser, ils vont faire un peu de nettoyage, le grand nettoyage. Putain, l'homme scorpion il est vachement balèze en fait hein. Oh, ils vont crever là les gars. Donc du coup ce Mass Effect, qu'est-ce que j'en retiens? Ben c'est un très bon jeu. D'ailleurs quand on a fini le jeu, ils nous font réapparaître. Le centre de la cité a été repris. Nous pouvons utiliser ces bâtiments. Cool. Oula, on s'est attaqué, ça craint. Donc ouais, c'est un jeu vraiment intéressant. Ouais, je disais qu'en fait on nous fait réapparaître avant de mener la dernière attaque où en fait il y a toujours cette fameuse séquence où ça me rappelle un peu Far Cry 2, c'est-à-dire quand il y a un moment on nous dit bon t'es bien prêt parce que là tu pourras plus revenir en arrière, c'est à peu près c'est ça. Donc ça c'est aux copains que ça appartient. Non, c'est bien, ça fera toujours des bonnes choses. Alors, est-ce qu'on a des casernes? Ouais. On a combien de ressources? 1300. Évidemment, on n'a pas de villageois, je pense pas. Non, bah non. Allez hop, on y va, on mène l'attaque finale, hein, tant pis. À la one again. Ah, j'ai que des. Ah, quand même. Je peux pas construire des armées classiques, juste des fléchettes, quoi. Enfin, des fléchettes. Des archers. Taxiarte champion ou Pelast. Peltast champion. Ah, Peltast. Bon, on va prendre des. Ouais, allez, vas-y, des archers. J'aime bien les archers. Je les aime bien. Ouais, je les aime bien. Allez, on crame toutes nos ressources. Y a plus rien. C'est pas grave. Hop, on y va. On fonce. De toute façon, on est en facile, donc ça devrait passer. En plus, on a les. Ah, bah, en plus, on a des renforts. C'est cool ça. Voilà, te voilà mort. Morticus! Hey, on peut pas voir ces tourelles là? Enfin, ces tourelles. Ces tours d'attaque? Voilà, ça c'est fait. Ouais, je sais qu'ils sont attaqués. Ah ouais, attendez, on a un temple. Je suis bête. J'aurais pu regarder ça, moi. Alors, on va prendre ben, des hydres. Ouais, 5 hydres. Ça va faire mal, je pense. Yeah! Ça, c'est beau, ça. Il ne reste plus que l'acropole à récupérer. Qu'est-ce qui se passe, là? L'acropole. Ouais, attends. Mais non, mais revenez ici, là. Venez nous rejoindre. Putain, les scorpions, c'est vachement balèze, hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, ça, et... Et plein de catapultes, parce que j'aime bien les catapultes. Je trouve que c'est classe. Ils vont faire 3 fois le tour de la carte, les cons. Bah allez hop, vous allez m'attaquer ça là. Allez, les hydres. Mais en fait, je sais qu'elles peuvent démultiplier leur tête, mais je sais pas quel est l'effet déclencheur. Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, elles se dédoublent leur tête, mais
Je sais pas quelle est la cause. Ça reste un mystère. Il va nous falloir une solide armée pour assiéger cette acropole. Ouais, ça j'ai pas à dire. Moi ça va. Je suis plutôt bien au niveau des ressources. Alors. Donc c'est bon, les hydres les ont complètement massacrés. Allez, vous allez là. Vous postez ici, on va vous amener les catapultes. Qui vont s'en occuper là, joyeusement. Les catapultes, vous allez vous occuper des tourelles. Les deux zéros ici. Toi, là. Vous allez prendre l'autre porte. Vous allez vous mettre ici. Et vous, là. Bon bah je crois qu'on est déjà bien là. On est bon. Là. Qu'est-ce qu'il a fait là? Fléau des serpents? La fuck. Ouais bon, il l'a invoqué un peu au mauvais endroit lui. Un coup là on en a encore un. Allez hop, à l'attaque. Les Héliopolis. Voilà, maintenant la porte. Il y aura bientôt plus de porte. Et maintenant la tour. Oh là là là, on recule, retrait. Hop. Je déteste les Anubites. C'est des petites bites. Allez hop, dégolmez-les. Je veux que mes... Ah, touchez pas mes quatre... Oh, putain, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Oh là là, ah ouais, ouais, ils envoient du lourd là. Allez hop les catapultes, hein, vous faites plaisir. Allez hop, vous allez à l'intérieur. Passez à l'intérieur. Ouais, ça va être chaud, hein. Je pense qu'on va s'en sortir, mais ça va être chaud quand même. On va perdre pas mal d'unités. Voilà, allez hop, vous allez massacrer tous les citoyens. J'aime bien, on est les gentils, mais on massacre quand même des citoyens, c'est... Vive la logique. On est très, très sympa, quoi. Par contre, j'ai la catapulte, je... Ah, voilà. Ah ouais, putain, il a quand même un sacré paquet d'armées, là. Hey! Feignantisez pas, là. Allez, vous, vous allez tous me péter la porte. Ouais, oui, ça, je le sais, ouais. Allez, hop. Allez, hop, vous allez vous mettre ici. Vous, là. Et allez, hop, je vous laisse faire. Je vais juste voir. Ah, bah tiens, on a deux catapultes, ça va nous aider, ça. Allez, hop, là-bas, je regarde si on a quelque chose qui a été encore... Non. On va se faire quelques petites améliorations. Voilà. Ah, ils se font plaisir, là. Ils se font plaisir, les petits fifous. Hein. Allez. Les catapultes, vous allez vous occuper directement de la porte. Ah ouais, ouais, direct. Hein, nous, on s'en fout. Hein, on surpasse les remparts. On est des big boss. Right. Vous voyez. On va voir s'ils ont encore quelque chose. Je sais qu'on pourrait directement foncer, mais bon, j'aime bien prendre mon temps. En plus, on est en facile, donc profitons-en pour un petit peu observer les lieux. Pour un peu regarder, là, on peut se déplacer. C'est toujours intéressant, en fait, parce que des fois, vous pouvez trouver des easter eggs. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Arcanthos, je vous attendais. Hein? Bon, à plus! Merci de nous avoir rendu la ville. Je vous en prie. Mais nous n'avons pas trouvé les autres prisonniers. Un nommé Kemsit était à la tête des bandits. Il a emmené les prisonniers vers la route du nord. Nos gardiens ont dit qu'ils allaient construire quelque chose là-bas. Ajax, rassemblez nos troupes!
Nous allons prendre tout ce qu'il nous reste à bord et ce que ces gens pourront offrir.